La vie d'artiste, c'est beaucoup de travail. Mais c'est que les gens, ils le voyaient pas. Je reçois des messages comme ça, ouais, la vie de rêve et tout. Mais les gars, j'ai charbonné, les gars. Allez charbonner au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire. Je suis bon qu'à faire des tubes. Et je le fais si tu suis bien là-dessus. J'ai attendu personne, pourtant j'ai percé. Je suis 80% de mes capacités. Tu sais, si t'attends les gens, frère, tu vas nulle part dans ta vie. Au bout d'un moment, concentre-toi dans ton travail. Et t'as vu, même s'il y a des galères à droite, à gauche, travaille, travaille, fonce tout droit. Chaque fois que je vais au studio ou chaque fois que je fais un truc, je fais en sorte qu'ils soient encore plus lourds que le précédent. J'ai ça dans le sens où je suis qu'à 30% de mes capacités. J'ai l'impression d'être pas à 100, toujours pas. Parce que je serai à 100 le jour où il y aura beaucoup d'acquis derrière moi. Là, pour l'instant, j'ai encore des objectifs, tu vois. Donc voilà, je suis encore en charbon, mais je peux te dire que je suis plus qu'à 30. Là, je suis en Super Saiyan 1, si tu préfères. C'est mon refrain, c'est mon sang. Sa mère, c'est ma mère. C'est mon petit frère, c'est mon grand. À deux camps, c'est la mère. Fianso, ça a été la première personne à m'avoir, entre guillemets, sorti de la cité, tout ça, dans le sens où c'est lui qui m'a invité à mon premier Planète Rap, tu vois. C'est lui qui m'a boosté un peu, tu vois. Il croyait en moi, et le fait qu'il, lui, il croyait en moi, ça m'a aussi permis de, moi, tout seul, tu vois, de me dire, yeah, j'ai de la force, ça me booste, donc en vrai, faut tout casser, tu vois. Si moi et Fianso, on s'était pas rencontrés avant sur un, musicalement, je te parle sur un album, c'est parce qu'en vrai de vrai, je voulais moi-même prendre mon envol. Par exemple, j'aurais bien pu inviter Fianso à mon premier album, mais j'ai préféré pas mettre de feat. J'ai préféré me poser une carte d'identité dans le rap. Et deuxième album, dès que ça a parlé feat, j'ai tout de suite pensé directement à Fianso. Mais des coups de putain, tout va, t'es mal, le succès ça va vite. Pourtant, je suis resté le même, je mets toujours des TN à Zix. Quand je dis j'ai pas changé, c'est vrai. Moi, tu me vois toujours à la cité. Moi, j'ai pas fui ma cité, je suis toujours avec mes potos. Je déteste quand déjà il fait trop la star. C'est-à-dire que je fais pas la star du tout, je suis sur le béton, moi, avec les potos, tu vois. Après, t'as vu, je discutais aussi avec un bon frérot à moi. Même quand tu passes à la cité, tu sens que c'est plus pareil. Tu vois, même toi, tu vas dire en vrai de vrai, lui il est là, il fume son joint, il boit de l'alcool, le lendemain rebelote, ils ont pas d'avenir, les gens au quartier. Et ça fait un petit truc parce que t'en es sorti de là, tu vois, mais t'étais comme ça, tu t'as capté, t'as la cité en zonard. Le fait d'avoir de l'argent, ça t'ouvre peut-être plus les yeux sur des choses que tu ne voyais pas avant. Et l'histoire c'est tout ce que j'ai créé, pas d'amitié donc pas de fit, je pense que tout ça ils comprennent vite. C'est en mode poteau, on n'est pas amis, on fera pas de fit. Ça a rien de venir gratter un fit, que ce soit le quartier d'à côté, le quartier d'en face, le quartier de derrière, rien à foutre, tu vois. Nous, on donne de la support, du soutien. Arrête, il y en a, il pousse le bouchon un peu trop loin, il commence à te parler de fit. Poteau, va charbonner un peu, va te casser la gueule comme on s'est cassé la gueule. Et après, tu reviendras. Va te mettre de ta vie, demain c'est loin. Sois préparé pour l'averse, mon ami. Après le beau temps, y'a la paix. Demain c'est loin. Après le beau temps vient la pluie, c'est qu'en fait tu peux tout le temps retomber. Et un vrai bonhomme il se relève. Bah je pense que ça nous fait peur à tous. Mais je suis conscient que j'ai une base fan super solide. Et je tiens d'ailleurs à les remercier pour ça. Parce que vraiment, c'est eux qui dévalisent les Fnac, t'as capté, ils sont là, ils achètent de tout part. Frère, c'est incroyable. Et c'est peut-être pour eux que j'arrêterai pas. Tata qui ? Gros big up. On est ensemble.